Les êtres invisibles qui régissent ce monde. Un bref catalogue biblique de 18 êtres spirituels. Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2. Yahvé. Je suis Yahvé qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. 3. Les fils de Dieu. Le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu. 4. Les dieux. Dieu se dresse au conseil divin, au milieu des dieux il juge. 5. Anges. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? 6. Les saints. Dieu redoutable au conseil des saints, grand et terrible à tout son entourage. 7. Archange. L'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait. 8. L'ange de Yahvé. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit: « Je jure par moi-même, parole de Yahvé. » 9. L'armée d'en haut. Yahvé visitera l'armée d'en haut. En haut, et les rois de la terre, sur la terre. 10. Les vigilants. C'est la sentence que prononcent les vigilants, la question tranchée par les saints, afin que sache tout vivant que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes. 11. Étoile du matin. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? 12. Les puissances. Nous avons à lutter contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. 13. Le diable. Revenir à la raison, une fois dégagé des filets du diable, qui les retient captifs, asservis à sa volonté. 14. Démons. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons.
15. Les ombres. Le fou ignore qu'il y a là des ombres, et que ses invités sont au valet du Sheol. 16. Le Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. 17. Le Paraclet. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. 18. Le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.